Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Au Bénin, Lionel Zinsou, l'actuel Premier ministre et candidat à l'élection présidentielle du 28 février 2016, reçoit le soutien de l'Alliance Éclaireur. Élection présidentielle aux Comores, la commission électorale a retenu 25 candidatures pour le scrutin du 21 février. Nous recevrons Azali Assoumani, ancien président des Comores et candidat à l'élection présidentielle. Avec le ralentissement de plusieurs domaines professionnels en Guinée-Conakry, le mototaxi est devenu un secteur très prisé, notamment par les jeunes. Les explications à suivre dans cette édition. Mais avant de développer ces titres, l'affaire Guillaume Soro prend cette fois une tournure judiciaire. La justice burkinabé aurait émis un mandat d'arrêt international contre lui. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne est accusé par la justice burkinabé d'avoir soutenu le coup d'État militaire avorté du 16 septembre 2015. Le mandat d'arrêt aurait d'ores et déjà été transmis aux autorités ivoiriennes. Écoutez à ce propos Alafé Wakimi, directeur du quotidien L'Intelligent d'Abidjan. Le mandat a été émis, il faudra certainement que le gouvernement burkinabé fasse, ou la justice burkinabé donne des détails à ce sujet. Si cela est avéré, ce que je peux dire, c'est que ça va mettre à mal la diplomatie entre Abidjan et Ouaga. Le nouveau président burkinabé avait déjà dit que si les faits reprochés au président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire sont avérés, ils considéraient cela comme un geste inamical. Est-ce à dire que les écoutes ont été authentifiées et ils estiment que c'est inamical et qu'il faut traiter la question sur le plan judiciaire avant d'engager le terrain diplomatique? Voici la première interrogation. Mais aussi la seconde lecture qu'il faut faire, c'est qu'il y a aussi, même malgré le départ de la transition à Ouaga, une sorte de jeu d'intérêt, de jeu d'influence entre l'équipe de la transition et entre ceux qui étaient au pouvoir et puis ceux qui viennent d'arriver, qui ont besoin un peu plus de temps pour maîtriser tout le système judiciaire, tout l'environnement politique qui a été créé avant d'avoir la mainmise là-dessus. Donc c'est le dispositif de l'ancienne équipe qui continue d'agir sous le couvert de la justice. Il revient à la diplomatie au nouveau ministre des Affaires étrangères du Burkina, qui est connu pour ne pas être un va-t-en-guerre, un boutefeuille. Il revient à cette nouvelle équipe et éventuellement nouvelles autorités d'imprimer davantage leur marque sur la conduite des événements pour éviter que la relation entre Abidjan et Ouaga soit aussi mauvaise et désastreuse comme ce qu'on a constaté durant la transition. Au Bénin, je le disais en titre, le Premier ministre Lionel Zinsou, candidat unique des forces coristes pour un Bénin émergent, a été investi par l'Alliance Éclaireur. Ce rapprochement est en tout cas un coup dur pour les adversaires de Lionel Zinsou, en particulier pour les hommes d'affaires Patrice Talon et Sébastien Ajavon, qui auraient aimé bénéficier du soutien du Parti du Renouveau démocratique. Un reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin. À moins d'un mois du début de la campagne de la présidentielle du 28 février 2016, le candidat unique des forces Kori pour un Bénin émergent continue d'obtenir des soutiens de la part des formations politiques du pays. Après le ralliement du Parti du Renouveau démocratique, PRD, et de la Renaissance du Bénin, RB, c'est le tour de l'Alliance Éclaireur de porter son choix sur Lionel Zinsou, actuel Premier ministre. Après analyse du parcours de tous les prétendants à la succession du président Boni Yayi, les militants et militantes, sympathisants et sympathisants, ainsi que les responsables de l'Alliance Éclaireur, ont résolument porté leur choix sur la personne du professeur Lionel Zinsou. Par cet acte, les responsables et militants de l'Alliance Éclaireur s'engage à mobiliser les électeurs du pays pour le triomphe de Lionel Zinsou. Face à la pléthore de candidatures annoncées pour la présidentielle du 28 février 2016, l'unique candidat des FCBE se dit confiant. Nous n'avons pas d'adversaires. Si nos ennemis, nos adversaires existaient, mais nous n'aurions pas fait ce choix. Le choix de l'Alliance Éclaireur, c'est un choix d'unité, c'est un choix de paix. C'est un choix de réconciliation du pays. Si nous avions des ennemis et des adversaires, je n'aurais jamais dit que la seule condition
pour que je sois candidat, c'était le consensus et le consensus au-delà d'un parti. L'Alliance Éclaireur est créée en février 2015 et est principalement influente dans les départements des Collines, du Zou, du Mono et du Koufo. Elle compte près d'une dizaine de partis politiques et une quarantaine de mouvements politiques. L'opposition entend participer à la présidentielle du 20 mars 2016 en République du Congo. Le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique et l'initiative pour la démocratie au Congo exclut de boycotter la présidentielle. Sous certaines conditions, toutefois, les opposants au président Denis Sassou Nguesso réclament notamment la mise en place d'une commission électorale indépendante et un fichier électoral crédible. Aux Comores, 25 candidatures ont été retenues par la commission électorale. Tous les candidats sont originaires de l'île de la Grande Comore, conformément à la règle de la présidence tournante entre les trois îles instaurée depuis 2001. Le premier tour est prévu le 21 février 2016. Olivia Iré-Dobré. 25 candidats en lice pour la magistrature suprême aux îles Comores. La Cour constitutionnelle a statué ce samedi 9 janvier 2016. Sur 28 postulants, 25 candidats ont été retenus pour participer à l'élection qui choisira le futur leader des trois îles de l'Union des Comores, Anjouan, Grande Comore et Moéli. À quelques jours du premier tour des élections du 21 février 2016, certains candidats s'interrogent sur la transparence du prochain scrutin présidentiel. Je pose un sérieux problème sur la transparence du scrutin, et ce d'autant que les hommes du pouvoir ne s'en cachent pas de la volonté qui est la leur de tricher, et ils l'affichent. Ça, c'est curieux hein, que dans un pays, des hommes de pouvoir se déclarent ouvertement que de toute façon, leur candidat, donc Mamadou, a déjà gagné les élections. C'est effrayant. Ils ont très peu de respect envers le peuple comorien. Nous allons prendre toutes les dispositions pour limiter la fraude ou empêcher que cette fraude ait lieu. Attendu comme une première depuis 1975, le vote des Comoriens vivant à l'étranger n'aura finalement pas lieu. Raison technique invoquée. Si le principe est acquis, des candidats et certains partis craignent que le pouvoir ne manipule le vote de la diaspora à son profit. La présidentielle de 2016 dans les îles Comores sera couplée avec le vote des gouverneurs des îles. Seuls les trois candidats arrivés en tête pourront se présenter au second tour le 18 avril 2016. Tous les candidats à cette présidentielle sont originaires de l'île de la Grande Comore, conformément à la règle de la présidence tournante instaurée en 2001. Donc c'est bien la Cour constitutionnelle qui a validé les 25 candidatures. Nous recevons M. Azali Assoumani, candidat à l'élection présidentielle comorienne, fonction qu'il connaît déjà puisqu'il a été le chef de l'État de 2002 à 2006. Bienvenue M. Assoumani. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, donc, vous avez été, donc, comme je le disais, président de 1999 à 2002. Y a-t-il des choses que vous auriez aimé réaliser lors de votre première candidature, donc de 1999 à 2006, qui ne sont pas justement allées jusqu'au bout et que vous voulez justement, à l'occasion de ce deuxième mandat, vouloir réaliser? Ah, tout à fait. On ne peut pas faire beaucoup de choses en 3 ans ou en 6 ans. Heureusement qu'il y a le système démocratique et la tenace qui permet à ce que un pouvoir qui a exercé et qui avait un projet et qu'il puisse espérer à continuer son projet. C'est le cas de notre parti, la CRC. Donc nous avons 3 points essentiels. Le premier, c'est consolider la paix et la sécurité retrouvée dans le pays depuis 1999. D'accord. Alors que malheureusement, depuis l'indépendance, 1999 était toujours en dents de scie. Mm-hmm. Mais on a mis un système qui nous a permis d'avoir une paix et sécurité depuis 1989. Il va falloir la renforcer pour que ça soit effective. Deuxième chose, c'est effectivement le quotidien du Comorien. Hein, on sait effectivement que les Comoriens vivent une vie extrêmement très chère au quotidien. Oui. Un problème de santé très grave parce qu'à chaque fois, il faut faire des évacuations dans les pays voisins. Et puis aussi, bon, une éducation qu'on a essayé de valoriser que malheureusement, mes successeurs n'ont pas tenu compte. Donc, nous allons mettre l'accent sur ces 2 points, la paix et la sécurité, le social et puis le mieux vivre puisque les Comoriens, ils ont les moyens de bien vivre, mais il faut qu'il y ait un pouvoir qui leur donne les moyens, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'il y ait beaucoup plus de production pour que la vie puisse être moins chère.
mais aussi maîtriser les recettes de l'État pour que ça soit investi au profit de l'État. D'accord. Et justement, puisque vous parlez des Comoriens, je voudrais juste parler des jeunes et notamment du chômage des jeunes qui a atteint, selon les chiffres du PNUD, hein, 44%, plus de 44% des jeunes sont touchés par ce fléau. Et comment votre programme s'articule autour de cette problématique? C'est une priorité pour notre programme. D'abord, je vous informe que nous, on a trouvé ce chômage-là à 24%. On l'avait descendu jusqu'à 14%. Effectivement, malheureusement, il est remonté à 44%. Donc, notre cheville ouvrière s'est effectivement lutté sur le chômage en général, et surtout pour ces jeunes, parce que le jeune en action, c'est ce qui va stabiliser le pays. Mais on a vu dans d'autres pays, hein, ces jeunes en masse, ce n'est pas une bonne chose. Donc nous, on va assainir la situation du pays, on a les moyens d'assainir, pour avoir des fonds, investir. Hein, et là, on va revoir le code des investissements. D'accord. Qui puisse nous permettre de faire appel à des opérateurs étrangers et même à l'intérieur pour investir dans le libéralisme et l'initiative privée pour qu'effectivement ces jeunes sortis de l'université de Comores et même les Comoriens qui font leurs études à l'étranger, une fois arrivés au pays, qu'ils aient un emploi, c'est du possible. Puisqu'on l'a exercé, on sait que c'est possible. Malheureusement, les régimes qui nous sont succédés, ils ont joué sur le clanisme, sur le copinage, mais ils n'ont pas mis l'accent sur le mérite et la compétence. C'est pourquoi nous en arrivons à cette situation, malheureusement. D'accord. Et ma dernière question s'articule toujours autour de l'économie, notamment autour de la crise énergétique que rencontrent les Comores actuellement avec les nombreuses coupures d'électricité dont font face les Comoriens. Comment, toujours dans votre programme, comment entendez-vous lutter contre ça? Je vous donne un schéma très vite, hein. Avant nous, quand on est arrivé, il y avait un délestage sur 6 jours sur 7. D'accord. Nous, quand on est parti, c'était 1 jour sur 7. Et maintenant, c'est peut-être 7 jours sur 7. C'est pour vous montrer qu'effectivement, les gens négligent ce secteur primordial. Et nous en avons tenu compte. Figurez-vous, on ne s'est pas empêché d'acheter des groupes électrogènes, de les transporter par voie aérienne, vu l'importance du secteur. On aurait pu les faire transporter par maritime. Mais on a vu que c'était tellement important qu'il fallait payer le prix. Donc on a acheté les groupes, on les a transportés par voie aérienne, et là on a résolu le problème de l'électricité. Effectivement, ce problème-là, il est à notre cœur. Il y a des énergies renouvelables qui demandent du temps, mais à l'instant T, il va falloir qu'on résolve ce problème-là. Et là, effectivement, nous allons encore, une fois arrivés, faire en sorte qu'il y ait de l'électricité qui permette aux gens de travailler pour essayer de voir effectivement l'électricité d'une façon stratégique à long terme. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Assoumani, d'avoir répondu à mes questions. Et puis, très bon retour aux Comores pour les élections. Beaucoup. Merci beaucoup. Plusieurs secteurs professionnels sont actuellement ralentis, excepté celui du transport. En Guinée, ils sont bon nombre à exercer le métier de conducteur de moto-taxi. La profession est très en vogue, notamment chez les jeunes gens. Beaucoup d'entre eux sont mécaniciens de formation ou encore étudiants. Un reportage d'Emmanuel Milimono, notre correspondant en Guinée-Conakry. Au Grand Carrefour ou dans les plus petits recoins de la capitale, les mototaxis font désormais partie du décor à Conakry. Cette activité rassemble un important nombre de jeunes à la recherche d'un minimum de revenus pour subvenir à leurs besoins. Pour la plupart des jeunes qui exercent ce métier, c'est un moyen d'éviter de tomber dans la délinquance ou le vol. Et moi, j'étais à l'école, mais par le manque de difficultés, quand je suis quitté à l'école, je suis parti en aventurier. J'ai fait Maroc, j'ai fait Libye, en Algérie. Mais en 2015, là, je suis rentré en Guinée parce que vraiment, ça ne va pas du tout. On était là-bas, on souffre. Nous sommes jeunes dans notre pays, mais il n'y a pas de travail. Vraiment, avec manque de moyens, là, c'est pour ça qu'on est là pour faire taxi. Souvent, on arrive à faire des accidents, il y a d'autres aussi, gravement. Souvent, on est fatigué par la poussière et par la dégradation des routes aussi. On a même une route principale ici, qu'on arrive à gagner certains clients pour pouvoir bien gagner un peu par jour. Autrefois confinés uniquement à l'intérieur du pays et dans les sous-préfectures les plus reculées, les mototaxis font désormais partie des moyens de déplacement les plus utilisés de la capitale guinéenne. Face aux longues files d'attente dans lesquelles se retrouvent souvent des véhicules, certaines personnes préfèrent emprunter ces motos à cause de leur rapidité. Parmi les conducteurs, des étudiants qui alternent cette occupation avec leur formation.
C'est à partir de la deuxième année, j'ai commencé à faire taxi-moto. J'avais beaucoup de difficultés pour, parfois avant d'aller à l'école, pour prendre le transport. Mais depuis que je me suis lancé dans l'affaire de taxi-moto, j'ai le transport à tout moment. Parce que vous pouvez rester assis à la maison, à chaque fois tendre la main aux parents, dire que je n'ai pas le transport pour aller à l'école, 5 000. Un parent qui n'a même pas la dépense au complet. Donc, c'est ce qui m'a poussé à devenir parent. Et à l'université aussi, on nous donne des pécules de 100 000 francs. Et les bossiers qu'on envoie, ça peut aller même jusqu'à 200 000 francs. Certains parmi eux travaillent avec leur propre moto, d'autres les louent journalièrement. La recette varie entre 25 000 et 30 000 francs guinéens par jour, selon les patrons. Sur ce revenu, ces jeunes peuvent gagner jusqu'à 30 000 francs guinéens de plus comme bénéfice. De quoi faire face aux besoins essentiels en attendant un emploi plus garanti ou un revenu mieux consistant. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.